Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation des boîtes mystères de chez Burger King. Je serai pas tout seul, comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre. Je serai en compagnie de JB. Salut à toi. C'est au moins la combienième vidéo, le retour de JB là. Au moins la cinquième fois. Et c'est peut-être la troisième fois ou la deuxième fois que c'est le retour des boîtes mystères. Ah ouais. Ça commence à faire. Donc, comme vous le savez, le concept des boîtes mystères. Vous avez une boîte mystère, elle coûte 2 € et à l'intérieur, vous avez n'importe quel burger de la carte de chez Burger King. D'ailleurs, un grand merci pour l'équipe de Burger King France pour nous avoir mis dans leur vidéo pour l'annonce. Merci à eux. Ouais, des boîtes mystères, donc un grand GG à eux. Ils nous ont pas donné de thunes. J'ai signé les papiers, tout ça, il y a peu de thunes. Hein. C'est pas, comment on appelle ça, une OP ou... Ouais, bref. Non, on n'a pas été payé, mais on s'en fout, franchement. Vous connaissez les bails, c'est du moment qu'on est passé chez eux et tout, ça fait super plaisir. Du coup, ce qu'on a pris, deux boîtes mystères. Donc, cette année, les boîtes mystères, ça marche avec l'application sur votre téléphone. Donc, je sais pas si vous en avez pris. Si vous en avez pris, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez eu. Donc, du coup, les deux boîtes mystères sont là. Et avec plus un petit Coca Chéri dédicace à la serveuse mystère qui nous a mis bien. Hey, regardez. Coca Chéri. On a les boîtes mystères et une serveuse mystère qui nous a offert les petits Coca Chéri. Et on leur dit ou pas les boîtes? Ah ouais. Ce qui s'est passé. Parce qu'elle m'a dit, t'es sûr tu veux pas que je te change et tout? Parce que Clark il dit, il a deux mêmes burgers. Elle dit ouais. Ouais. Du coup, elle m'a remplacé un burger par un, pour éviter un autre, qu'il ait un double. Pour éviter que j'ai un doublon. Du coup, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Vraiment, on sait pas du tout. Ouais, sur l'étiquette caisse, attends, je l'ai encore. C'est pas écrit. Je crois que tu l'as. Hein. Sur l'étiquette caisse, j'ai pas envie de vérifier, mais normalement, c'est pas écrit. Attends, j'ai peur de me faire spoil. Ah, c'est bon, regardez. On voit pas. Bref, il y a écrit burger mystère là. Ah, du coup, c'est mieux parce que si on sait à l'avance que c'est un peu chiant. Ouais. Mais il me semble qu'à la borne, vous vous faites spoil, mais pas à l'accueil. Ah, il est bon. Ah, surtout quand il est gratuit. Là. Quand il est gratuit, c'est autre chose. Ouais. Du coup, bon, on va commencer par la première boîte. On va vous sortir les deux. Oh, il est léger lui. Je vais commencer par celui-là, il est plus froid. Oh, donc, il est léger. Lui, il est lourd. Alors, lui, il est léger. Hein. Le chaud, il est un peu plus lourd. Oh non. Il est tout léger, regarde pas. Il est tout. Dommage, j'ai pas une balance pour les peser. Ah, ah ouais, il est... Ah bah, compare. Ah ouais. Et lui, il est plus léger que l'autre. Hein. Ah ouais. Oh putain. Bon, on va commencer. Hein. Directement. Du coup, je ferme les yeux. Bah, si on fait ça, on voit pas. Moi, j'essaie de deviner. J'essaie de deviner. Du coup, vous voyez ce que j'ai. Toi, tu vois, non, regarde pas. Moi, je pense que j'ai un kingfish. J'ai un kingfish, moi. Toi, t'as quoi, tu penses? Un big king, là. 1, 2, 3. Encore un Whopper! Crispy, moi, yes! C'est le truc au moi, j'ai tout le temps un Whopper, wesh! Bon, yes. En vrai, ça va, j'aime bien. Mais regardez les autres vidéos Burger Mystère, la vie, j'ai tout le temps un Whopper. Oh yes, crispy. Moi, j'aime bien de s'alterner bœuf et poulet. Et franchement, je commence très très bien avec un crispy chicken, donc c'est pas la plus haute gamme niveau poulet. Hein. Les tender crisp, c'est au-dessus, mais là, pour commencer, c'est pas mal. Moi, un bon Whopper des familles. En vrai, je voulais tout le temps le Whopper, mais je kiffe, donc ça va. Du coup, à l'intérieur du burger, je vais laisser la tomate. Il y a de la salade, de la mayo, une tomate avec une galette de poulet. Et c'est tout. Voilà. Moi, tomate, salade, oignon, fromage. Moi, je laisse les oignons, j'aime bien ça avec t'es le Whopper, mayo, mayo ketchup. Mais j'ai tout le temps Whopper, gros. Le Whopper, franchement. Je suis pas trop fan parce qu'il y a des oignons, des tomates. J'espère que je vais pas l'avoir dans le deuxième burger. Bah, allez, c'est parti. Hein. Premier cro. Itadakimasu! Oh, mais c'est une dinguerie. 2 €. 2 €. Non, la ville est. Les steaks de BK, c'est incroyable. Et le poulet aussi. Hein. Ouais, moi je kiffe. Hein. Je prends tout le temps. Moi je préfère les tender crisp. Ouais. La tomate dans la mayo, ça passe trop bien en vrai. Le poulet, je sais pas, il croustille. C'est pas le même que le tender crisp, mais il passe bien. Ah, c'est une galette. Ça arrête pas de couler. Je pensais vraiment que j'allais avoir le kingfish. Hein. Ouais. Et j'avoue qu'il était bien léger. Le Whopper, c'est bien léger quand même. Et c'est simple, mais efficace. C'est comme ce que tu fais chez toi, genre. Ouais, j'avoue. Et en vrai... La tomate, elle me dérange pas. Hein. Franchement, pas mal. Ça faisait longtemps, BK, là.
Je me régale. T'as des serviettes? Non. Voilà. Service mystère, tu perds un point? Ouais. Bon, on lui a pas dit. T'en gagnes 5 avec. Ouais, de ouf. Ah, du coup, j'ai pas de serviette, c'est normal si j'ai un peu de trucs partout. Moi, mon burger préféré chez BK, j'hésite, c'est soit le steakhouse ou le tender crisp. J'espère vraiment que je vais avoir un steakhouse dans le deuxième. Non, moi aussi, j'aimerais bien avoir tender crisp. Et du coup, vu qu'elle m'a changé un burger, je pense que de base j'avais deux whoopers. Parce ouais, je pense. Ah, ça fait chier quand tu tombes sur un double. Hein. Un soir hors vidéo, j'ai été, ils m'ont donné le King Deal deux fois. Genre, il est bon, mais c'est chiant. Dommage, on pouvait en prendre trois, mais. C'est par application, donc c'est dommage. Ouais, en gros, moi, mon appli, heureusement, Madame Clark, elle était là. Ouais. Parce que sinon, mon application, elle marchait pas. Du coup, j'ai pris les codes de Madame Clark. Et du coup, ça va, un Whopper pour commencer, là. Et moi, un Crispy. T'as déjà fini? Ouais. Du coup, on va passer à la deuxième boîte mystère. Donc, il y en aura deux dans la vidéo, mais c'est pas très grave. Je pense que ça va nous caler. Donc, moi, il est vraiment lourd, toi, fais voir. Oh, moi, il est. Ah, je sais pas. Égalité, là. Ah, je sais pas. Franchement. Égalité, on dirait. Vas-y, je ferme les yeux. Je vous montre. T'es prêt? Donc, moi, je pense. J'arrive même pas. Ah, c'est bon. J'ai un bacon lover. Allez, je dis au pif parce qu'il met le bacon lover. Juste parce que je le veux. Tender crisp. Un, deux, trois. Oh non, Whopper, non. Putain, le Whopper. Il y a eu un appel. Oui, il y a eu un appel entre temps. Bref, j'ai eu le Whopper. J'ai trop peur, j'ai vu ça aller tout niquer. C'est pas grave. Bon, bah, moi, le steakhouse. L'invité mystère a dit que j'allais kiffer. Bah, le premier burger, j'ai vraiment kiffé, mais là. Ah, mais ça va au moins, t'as du bœuf. Ah, ouais, j'ai du bœuf. Par contre, moi, je vous le dis tout de suite, j'enlève les oignons et les tomates. Hein. Dans le crispy, j'ai laissé, mais là, je peux pas laisser. Il y en a déjà deux en plus. Non, j'en ai oublié à quel point c'est un monstre lui. Du coup, moi je sais, t'as rajouté un steakhouse. Ouais. Je l'ai vu. Je me suis spoil. Enfin, après, je lui ai pas dit, mais. Ouais, je voulais pas qu'il me le dise. Du coup, t'avais vu. Ouais, putain, un bon steakhouse. Moi, un Whopper. Moi, en fait, le Whopper, ce qui m'a lassé du Whopper, c'est parce que je l'ai trop eu dans les boîtes mystères. Il le lâche tout le temps. Genre, c'est le burger qui ressort le plus. Pour vous dire, j'ai eu plus de fois le Whopper que le Kingfish. Vas-y, le je vais t'apprendre. Je l'ai jamais fait. Oui, le Kingfish, jamais eu. Il est normal en plus. Hop, allez, c'est parti. Itadakimasu. Steakhouse bacon en plus. Il y a tout le temps du bacon dedans. Non ouais. Pff, oh là là, j'avais oublié. Il peut y avoir le steakhouse poulet aussi. Tu peux te faire avoir, mais bon, le poulet ça reste bon. Mm. Ah, il est bon, hein. Il est meilleur sans les crudités. Ah, c'est du bacon. Ah, dedans il y a de la mayo, du ketchup, ça passe bien. Et le steak il ressort bien. Il est bon quand même. Grillé à la flamme, putain. Putain, il y a de la sauce partout. Dis-toi, tu peux avoir le bacon lover dedans. Parce que le bacon lover, ça y est, il reste à la carte. Il a tellement eu de succès, je crois qu'il est resté à la carte. Avec la sauce barbecue, là. Toi, il y a mayo, barbecue, oignon frit, fromage et du steak. Et moi, bah du coup, ketchup, mayo, ah, salade, maman. Steak. Ça arrête pas de tomber. Léger char en sauce, hein. Mais c'est super bon. Enfin, on est tout le bide. En plus, comme j'ai dit, ça faisait longtemps BK, ça veut dire que ça fait trop plaisir, ça, Amir. Du coup, deux, ça suffit en vrai. Trois, c'est de la gourmandise. Ah, moi, j'aurais même pas mangé. En tout cas, les offres, elles font super plaisir. Genre 2 euros, un petit Whopper, enfin un grand Whopper même. Un steakhouse, 2 euros.
Après, c'est toi et ta chance. Hein. Comme je disais, j'ai eu deux King Deal. Mais ils sont super bons. Je les préfère au Steakhouse d'ailleurs. Mais bon. Ça fait chier quoi. Les burgers, c'est les moins chers que j'ai eu. C'est le fish le moins cher, non? Ah, je crois avec le King Deal. Parce que t'as le King Deal et le King Deal XXL. King Deal Junior. Oh là là. Mais moi, c'est dommage, on a un peu trop retardé parce qu'on avait un petit problème, genre. Ouais. Mais, du coup, il est un peu froid, mais ça reste bon. Moi, j'aime bien la température. Après, il y en a, ils disent que les burgers mystères, ils donnent les burgers invendus, mais c'est pas vrai parce que eux, ils reçoivent direct sur leur clavier ce qu'ils doivent faire. Donc, ils envoient en cuisine ce qu'ils doivent faire. Donc, ils les préparent tout chaud, genre. Après, nous, on a mis du temps, c'est normal qu'ils ont refroidi, mais sinon, ils arrivent tout chaud. Ouais, c'est pour ça que mon steakhouse était plus chaud que l'autre. Allez, il est refroidi du coup le temps que je mange le Whopper, mais. En tout cas, le coca chéri fait plaisir. Ouais. On doit faire la miniature, donc je prépare les boîtes mystères. On va vous montrer comment faire une miniature, c'est tout con. Moi, je vais avoir la. Ouais. Est-ce que je laisse ma bouche comme ça sur la miniature? Je finis ou pas? Bien sûr que oui. Merci. J'ai trop la flemme. Putain, j'ai la main super sale. Oh ouais. Ah, t'as du cheddar. Ah ouais, non, il est terrible. Je me laverai les mains après. Hein. Trop bon. Du coup, on va vous montrer comment faire une miniature. Ils savent déjà, wesh. Ah, mais il y en a, ils savent pas. Ah ouais, il y en a, c'est nouveau. Ah, mais j'ai ça. Putain, j'ai pas de serviette, c'est dommage. Je vais laisser ça sur la miniature, c'est pas grave. Du coup, on va faire la petite pose de con. Parce que moi, je trouve que j'ai une tête de con quand je fais... Toujours, je fais ça. Mais là, je sais pas ce que je vais faire. Soit ça. Non, je crois que je vais faire. Tête de putaclic. Ouais, il nique sa mère. Sur la miniature que je vais faire, là, je vais taper un roux. Tu vas faire plusieurs prises. Voilà. Et après, vous screenez bah, la verticale, non, c'est l'horizontale comme ça. Ouais. Et maintenant que c'est fait, et bah, vous mettez ça là-dedans. Ensuite, c'est la première fois. Hein. Désactivez la cloche. Vous lâchez un like. Vous vous abonnez, vous commentez, vous partagez, vous connaissez la chanson. C'est la première fois d'ailleurs qu'on fait une miniature à la fin. D'habitude, on la fait toujours au milieu de vidéo ou au début. Et là, c'est vraiment la toute première fois. Donc, cette vidéo, elle est vraiment exceptionnelle. N'hésitez pas à mettre un petit like, comme il a dit JB, à nous vous abonner sur la chaîne, activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand une vidéo sort. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez,